Voilà, eh bien, chers amis, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette étude cet après-midi, ô combien importante. Nous avons eu dernièrement, mardi dernier, notre étude d'Apocalypse chapitre 7 et je vous avais invité à suivre l'étude de cet après-midi qui certainement vous aidera à mieux cerner le sujet d'Apocalypse chapitre 7 qui concerne les 144 000. Alors, ce soir, nous allons tout simplement revenir dans le livre de Daniel, puisque nous sommes le samedi après-midi, à partir de 15 h, dans l'étude du livre du prophète Daniel. Pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, nous sommes au chapitre 9, et particulièrement les versets 23 à 27, qui nous expliquent ce qu'est la prophétie des 2300 soirs et matins. C'est une prophétie qui, très souvent, pose problème à certaines personnes dans sa compréhension. Beaucoup trouvent ça trop mathématique. Nous allons essayer de faire en sorte qu'elle soit plus digeste pour vous, plus simple, pour que vous puissiez la comprendre, parce que si la parole de Dieu nous la donne, c'est qu'elle a son importance et qu'il serait important pour nous de comprendre ce que le Seigneur a à nous dire au sujet d'Apocalypse 7, mais en lien avec et surtout Daniel chapitre 8, 14 et l'explication qui se trouve au chapitre 9, versets 23 à 27. Donc, la stratégie du maître des lieux saints, puisqu'il s'agit bien du maître des lieux saints, c'est lui qui mène l'affaire, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui planifie, c'est lui qui exécute, c'est lui qui contrôle. Nous allons donc partir sur les traces du maître des lieux saints. Donc, nous demanderons à notre première personne de nous lire Daniel chapitre 9, versets 23 à 27. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Voilà. Alors, nous sommes bien dans la prophétie des 2300 soirs et matins. Et je répète que les versets 23 à 27 détaillent cette prophétie. Alors, si vous n'avez pas suivi notre dernière étude, vous allez vous rattraper en écoutant la vidéo sur YouTube. La lumière pour les temps actuels, c'est le titre de la chaîne. Vous pouvez aller regarder la vidéo de façon à vous rattraper si jamais vous êtes un petit peu perdu sur le Zoom ou sur le YouTube ce soir. Alors, maintenant, chapitre 8, versets 13 et 14. Quelqu'un va nous lire maintenant Daniel, chapitre 8, versets 13 et 14. Pardon. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de temps
accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà, alors vous comprenez bien qu'il y a un conflit. Il y a quelque chose qui se passe et qui est questionné par les deux êtres qui s'appellent des saints. Voilà pourquoi, à l'écran, nous allons répondre à trois questions. Qui pose la question? Alors, quand vous lisez le verset 13, il est dit, « J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps ?» Alors, ce sont deux saints qui parlent entre eux et l'un s'interroge sur la durée de la vision sur le sacrifice perpétuel, sur le péché dévastateur, et il dit, mais le sanctuaire lui aussi est foulé, quand tout cela va-t-il s'arrêter? Okay? Donc, il y a bien un conflit qui a lieu, il y a bien des opposants aux fonctions du sanctuaire, il y a bien des choses qui vont se passer en termes de perpétuel et en termes de péché dévastateur, alors l'intérêt de l'ange est éveillé pour savoir pendant combien de temps cela va-t-il durer. Et la réponse est donnée au verset 14. 2300 soirs du matin, puis le sanctuaire sera purifié. Actuellement, il est foulé. Actuellement, il est victime du péché dévastateur. Actuellement, il est victime du sacrifice perpétuel. Mais dans 2300 soirs et matins, ça va s'arrêter. La purification va avoir lieu. Donc, en quelque sorte, le traitement du péché va pouvoir passer à sa phase finale et tout cela va prendre fin pour laisser place à la justice, à la paix et à l'amour. Donc, l'installation d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau royaume. Que met en avant cette question? Qui est concerné par ce qui se passe? Diapo suivante. Alors, nous avons ici deux choses qui doivent attirer notre attention. Nous l'avons lu tout à l'heure, l'abomination de la désolation, on parle aussi de péché dévastateur ou de perpétuel, n'est-ce pas, le sacrifice perpétuel. Et remarquez que sacrifice perpétuel et péché dévastateur sont associés, sont mis ensemble dans le même panier. Saint ou armé, foulé, c'est sur la même planète Terre que tout cela se passe et la question se pose quand tout cela va s'arrêter. Le temps ou la durée de ces deux malheurs, c'est ce qui intéresse l'un des saints. Alors remarquez qu'il n'est pas dit l'un des anges, mais un des saints. Donc ce sont des saints, or nous savons que les saints, ce sont ceux qui appartiennent à l'Église de Dieu, ce sont ceux qui appartiennent à une communauté religieuse, spirituelle, ce sont des êtres qui sont en lien direct avec l'Esprit de Dieu et ces êtres-là se posent la question de savoir est-ce que ça va encore durer très très longtemps, est-ce que le sang sera versé encore très longtemps. Nous devrions à ce stade aussi nous poser les questions suivantes. Quand commence et s'achève cette période? Quels éléments historiques y sont attachés? Quels sont les buts poursuivis par Dieu dans cette chronologie du temps ou dans le temps? Chronos. La dernière fois, nous avons répondu à ces questions. Nous allons revenir sur ces questions-là en filigrane ou dans les liens que nous allons faire avec les différents textes et les différents commentaires. Donc, nous allons remettre à votre esprit ces trois questions que nous avons posées la dernière fois. Maintenant, dans le texte, il y a donc des éléments de controverse et nous devons être au clair sur ces éléments de controverse. Nous devons maîtriser ces éléments-là ou encore les connaître, bien les connaître pour savoir dans quelle direction nous allons et quelle est la stratégie du maître des lieux saints concernant ce qui se passe sur la terre. Donc, la Bible que nous avons en main est une Bible ou une parole, une bibliothèque
qui nous révèle la stratégie, la personne qui met en place la stratégie, les personnes qui accompagnent celui qui met en place la stratégie. Tout est révélé dans la parole de Dieu. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, nous devons maintenant, en ayant tous les éléments bibliques qui nous sont donnés, savoir quelle est la stratégie du maître des lieux saints, c'est-à-dire le maître du sanctuaire, puisqu'il est dit 2300 soir et matin, puis le sanctuaire, donc, qui est encore appelé les lieux saints, dans Hébreux chapitre 9, bien, nous devons comprendre comment il agit. Quels sont les termes et expressions clés à comprendre? Alors, pour essayer de bien saisir le sens du texte, je vous ai mis 5 versions bibliques qui vont nous permettre d'avoir une petite idée plus claire des 2 termes qui sont utilisés particulièrement et qui compliquent la vie des théologiens et des interprètes bibliques. C'est le terme particulièrement sacrifice perpétuel et péché dévastateur. Maintenant, regardez les versions. Dans la version français courant, il est dit sacrifice quotidien, malveillance spirituelle. Donc, sacrifice quotidien pour sacrifice perpétuel et malveillance spirituelle pour péché dévastateur. La version parole de vie 2017 dit sacrifice de chaque jour, action mauvaise. La nouvelle version seconde dit sacrifice perpétuel et crime dévastateur. La NBS, nouvelle Bible seconde, dit sacrifice constant, transgression dévastatrice. Et puis, on a sacrifice continuel du péché qui cause la désolation. Je crois que c'est dans la version, je ne sais pas si j'ai noté cette version, non, je n'ai pas noté, mais c'est dans l'une des versions nouvelles que vous avez cette expression-là. En lisant ces différentes versions, vous voyez qu'il s'agit déjà de la préoccupation, c'est quelque chose qui a lieu régulièrement, régulièrement. C'est la notion du sacrifice perpétuel. Vous avez le péché qui fait beaucoup de tort. Donc, il y a le sacrifice, le perpétuel. En fait, ce que vous devez aussi retenir, c'est que le mot sacrifice n'est pas dans le texte original. Ce sont les interprètes, les traducteurs, les gens qui font de la théologie et qui remettent la Bible d'actualité, hein, puisque les mots changent avec les siècles, prennent d'autres sens. Donc, sans cesse, il faut réactualiser de façon à ce que la Bible soit lisible pour tout le monde. Donc, pour comprendre, on a mis sacrifice perpétuel en référence à ce qui se passait dans le sanctuaire terrestre d'antan, où chaque matin et soir, il y avait le perpétuel, le sacrifice perpétuel. Donc, on a ajouté le mot sacrifice dans le texte pour mieux comprendre. Maintenant, on sait que le sanctuaire, c'est une usine de traitement du péché, donc du mal. Et que pour pouvoir faire en sorte que celui qui vient au sanctuaire avec son sacrifice, son animal à sacrifier en lieu et place de sa personne, eh bien, pour qu'il reparte libre, il faut que le sanctuaire fonctionne et que ainsi il y ait non seulement le perpétuel qui fonctionne, mais aussi le quotidien qui fonctionne, le service annuel qui fonctionne. Donc, service perpétuel, service quotidien, service annuel, ces 3 types de services doivent régulièrement fonctionner dans le sanctuaire pour libérer l'individu du péché. Donc, quand on va arriver à transposer et à parler du sanctuaire céleste, puisque là on parle du sanctuaire terrestre, avec le sacrifice des animaux, mais quand on va arriver au sanctuaire céleste qui devra fonctionner, où Jésus est l'agneau de Dieu qui va être sacrifié, il n'y aura plus besoin de sacrifier des animaux terrestres, eh bien ce sont les mêmes principes qu'il va falloir retrouver, le perpétuel, le sacrifice quotidien et le sacrifice annuel. On avance. Maintenant, s'il s'agissait du sacrifice expiatoire ou propitiatoire, le mot sacrifice, quand le texte dit « J'entendis parler un saint, un autre saint dit à celui qui parlait jusqu'à ça qu'endurera la vision perpétuelle, la vision du perpétuel ou la vision continuelle et
celle du péché qui cause la désolation, ou le péché dévastateur, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulé aux pieds. Ça, c'est encore une autre version biblique, la version Osterwald. Donc, quand il s'agit pour nous de comprendre cette expression perpétuelle ou sacrifice perpétuel, la question ne se serait pas posée ici si on parlait du sacrifice perpétuel par rapport au sanctuaire, puisque le sacrifice du sanctuaire n'est pas un sacrifice qui induit un danger pour le sanctuaire. Or là, ce sacrifice-là induit un danger pour le sanctuaire, puisque le sanctuaire est foulé aux pieds, et il est foulé aux pieds à cause du sacrifice perpétuel, à cause du péché dévastateur. D'accord? Ça veut dire que le sanctuaire ne joue pas son rôle. Donc, il faut chercher ailleurs l'explication de cette expression « sacrifice perpétuel ». Maintenant, remarquez que deux quantités ici l'emportent sur la troisième. On aurait plus une notion de perpétuel, de ce qui est mal, qui sacrifie des vies, puisque le texte original ne mentionne pas du tout le mot « sacrifice » introduit par ces commentateurs, interprètes, traducteurs. Donc, la question devra être lue différemment. Au lieu de dire « pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel », la question devrait être « pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le perpétuel ». Nous avons ici un perpétuel, quelque chose qui dure dans le temps et qui fait des dégâts. Ça ne peut pas être le sanctuaire qui fait des dégâts. Le sanctuaire répare les dégâts. Donc, ce perpétuel-là doit nécessairement avoir un lien avec le mal. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'avec perpétuel, il est dit péché dévastateur, armée foulée aux pieds. Donc, il y a un perpétuel qui impacte le sanctuaire divin, qui impacte le peuple de Dieu, qui impacte l'Église. Et ce perpétuel-là, eh bien, l'ange pose la question, ou plutôt le saint qui pose la question, ça va durer combien de temps? Et on lui répond, 2300 soirs et matins, puis le temple, le sanctuaire, le peuple sera purifié, selon Daniel 8, verset 14. Il y a donc un temps de purification. On sait que ce sont les péchés du peuple qui l'ont conduit dans l'esclavage. Je parle du peuple d'Israël. Ce sont ces péchés qui l'ont conduit dans la captivité, la désolation. Donc, ce perpétuel est plus associé au mal perpétuel quotidien qui se déroule au sein du peuple, dans le sanctuaire lui-même, puisque la Bible nous parle bien de la corruption des sacrificateurs qui vont jusqu'à adorer des idoles dans le temple. Donc, ce perpétuel, ce mal qui persiste et qui entraîne la captivité, qui entraîne que l'armée, donc le peuple de Dieu, soit écrasé, foulé aux pieds, eh bien, va devoir se passer pendant un certain temps, mais ça va prendre fin. Et le texte dit que ça va prendre fin au bout des 2300 soirs et matins. Donc, le ciel, au nom de Jésus, est prêt à se débarrasser des souillures et des péchés des saints, mais il faudra attendre cette date qui se trouve à la fin des 2300 jours, puisque l'un des rôles du sanctuaire, c'était justement de pouvoir libérer le peuple du péché. Le dixième jour du septième mois, c'était le grand pardon, le grand nettoyage, le grand déblaiement, tout ce qui avait été inscrit en mal dans le sanctuaire, tous les péchés qui avaient été accumulés, étaient enlevés. Le sanctuaire était purifié par le sang du bouc qui était sacrifié, le bouc pour l'Éternel. Donc, à la fin des 2300 jours prophétiques, comme à la fin de l'année littéral en Israël, dixième jour du septième mois, il y avait ce moment de purification. Eh bien, au bout de cette longue période de 2300 jours, il y aura aussi ce temps de purification. Donc, 2300 jours prophétiques. Temps de purification après les 2300 jours prophétiques. Entre-temps, les hommes et les femmes sur la terre peuvent confesser leur péché. Dieu va attendre plus longtemps, le plus longtemps possible, la confession du plus grand nombre pour être ajouté
au nombre des saints. Parce que les saints, ils s'interrogent, ils sont préoccupés par la situation sur la terre où les choses ne semblent pas se dérouler pour que les sauvés, les saints, s'ajoutent aux saints, que le nombre de saints augmente. Et Dieu a calculé les choses de telle façon à donner à chaque génération le temps, le plus grand nombre possible, pour que le plus grand nombre possible de gens puissent s'ajouter au sanctuaire, s'ajouter au saint. C'est ce qu'on appelle le deuxième temps de sa patience. Donc, il y a eu un premier temps de la patience divine depuis la création et l'entrée du péché jusqu'à la venue de Jésus. Il y a un deuxième temps de patience de Dieu depuis la naissance du Christ jusqu'à la fin des 2300 soirs et matins. Et puis, il y aura un troisième temps de la patience divine qui va être ajouté, mais cette fois, Apocalypse 10 nous dit que c'est un temps indéterminé où Jésus va faire une œuvre extraordinaire dans le lieu très saint du sanctuaire, dans la deuxième phase de son ministère de salut, donc pour pouvoir faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent être purifiées, sanctifiées et préparées pour pouvoir entrer dans les nouveaux cieux et aussi la nouvelle terre. Nous comprenons, chers amis, qu'il est important pour nous ce soir de comprendre que 2300 soirs et matins constituent une période très particulière. Je vous invite maintenant à regarder Daniel chapitre 8, versets 14, 19 et 26. « Il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Alors, cette période-là est décrite, donc, mentionnée directement ou indirectement trois fois dans ces textes. D'abord, c'est une période pour la purification du sanctuaire. Au verset 19, il est dit « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Donc, ça veut dire que c'est dans le temps marqué pour la fin que cette purification doit avoir lieu. En fait, dans le temps de la colère. Qui est en colère? Nous avons lu dans Apocalypse 12, verset 12. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que dit Apocalypse 12, 12 déjà? Regardez. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, qui est en colère? Le diable. Donc, dans le temps de cette colère satanique, Dieu va faire quelque chose de particulier. Donc, cette période correspond donc au temps mis à contribution par le mal, le péché dévastateur, la désolation et ce qui souille le sanctuaire. Tout cela par un acharnement du prince des ténèbres qui est en colère. Donc, le mal, le péché dévastateur, la désolation, la souillure, ce sont des apanages du diable, avec objectif de perdre le plus grand nombre de personnes. Ça a commencé avant la venue de Jésus et ça va s'accentuer encore après la venue de Jésus. Car le diable, il est acharné. Prince des ténèbres en colère. Maintenant, après que ce temps de colère où il va persécuter, tuer, massacrer, brûler les gens sur les bûchers, tuer par l'épée des millions de gens, tuer par les armes conventionnelles des millions de gens, on appelle ça, les conflits de guerre et tout le reste, il va y avoir beaucoup de sang versé entre le départ de Jésus pour le ciel après sa résurrection et 1844, comme nous l'avons vu, fin de la prophétie des 2300 soirs et matins, beaucoup de gens vont mourir, des millions de gens vont mourir. D'accord? Mais après la période des 2300 soirs et matins, il y aura encore des tas de gens qui vont mourir. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, conflit Iran-Irak, conflit en Amérique du Sud, conflit dans tout
toutes les parties du monde, des vies et des vies et des vies vont périr. Donc, quand le saint voit autant de sang versé, autant de vies piétinées, il est obligé de se demander, mais tout ça va s'arrêter quand? Et on lui dit, eh bien, ça va s'arrêter au bout de 2300 soirs et matins. Seulement, il va y avoir une période de temps entre la fin des 2300 soirs et matins et le retour effectif du Christ, une période de courte durée. Voilà pourquoi il est dit, le diable est en colère, mais il lui reste peu de temps. Peu de temps. Donc, il va y avoir encore cette période qui va encore durer après les 2300 soirs et matins. OK? Alors, après s'être acharné contre le Christ, le diable va s'acharner contre les saints pour pouvoir les bloquer sur le chemin du sanctuaire pour les maintenir dans le péché. Jésus, à son tour, va faire une œuvre contraire. Il va apporter la libération aux esprits par sa parole, d'où le message des trois anges. Par son message, il va apporter la libération de la parole, la libération des esprits, la chute de Babylone. Toutes les personnes qui peuvent maintenant choisir entre la marque de l'agneau et la marque de la bête. Donc, il va y avoir un temps de rassemblement qu'on appelle aussi le temps de la purification. Tout cela va se passer après les 2300 soirs et matins. Donc, d'après Daniel 8, verset 14, qu'est-ce qui sera mis en place d'après vous? D'après Daniel, on l'a lu tout à l'heure, la purification du sanctuaire. Maintenant, cette purification a lieu à la fin des 2300 soirs et matins, pas avant. Donc, il est important pour nous de savoir quand commencent ces 2300 soirs et matins et quand ils finissent. Et il est important pour nous de savoir quels sont les événements qui jalonnent ce temps-là et qui nous montrent bien qu'il s'est réalisé, accompli comme prophétisé. Donc, nous allons nous attarder tout à l'heure sur les événements qui ont jalonné le temps des 2300 soirs et matins, ou 200 années prophétiques, comme nous l'avons vu, en appliquant le principe jour-année. On a expliqué tout ça la dernière fois. Donc, en appliquant ce principe-là, on a 2300 années. Il faut qu'on sache, comprenne que cette période commence à telle année, en telle année, se termine en telle année, et après cette année-là, eh bien, il va y avoir tout ce que nous avons mentionné tout à l'heure, et notamment et en particulier ce que la Bible appelle la purification du sanctuaire. Pour comprendre bien, je vous ai fait une petite parenthèse ici qui me semblait importante. C'est que nous comprenions les différents aspects du plan du salut. Car nous sommes dans la stratégie du maître des lieux saints, et toute stratégie se prépare, se met en place avec un plan. Le plan, on l'appelait le plan de sauvetage ou le plan du salut. Alors, quand le plan du salut doit s'exécuter sur la terre et dans l'univers, eh bien, il y a d'abord une préparation. Tout se prépare. Donc, préparation de la venue de Jésus le Sauveur. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, naissance du Christ dans le monde. Troisième étape, tentation et baptême du Christ. Les tentations vont non seulement avoir lieu dans le désert, mais tout au long de son ministère de 3 ans et demi, il va être particulièrement tenté et bousculé par les ennemis, Satan et ses démons. Mais Jésus va être baptisé au début des 3 ans et demi de ministère et il va être crucifié finalement. Donc la crucifixion est une grosse étape dans ce plan du salut où il va porter les péchés, payer la dette de l'humanité et faire goûter à la mort, à la séparation éternelle d'avec Dieu et ensuite ressusciter. Cinquièmement, il y a la prédication de l'Évangile. L'Évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage, dit le Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, dit le Christ. Je vous enverrai l'Esprit Saint, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a donc ce grand temps d'évangélisation de la planète. Et en même temps, il y a cette intercession du Christ pour les êtres humains, car Jésus est monté au ciel pour intercéder, pour mettre en place une action qui va permettre aux êtres humains d'accéder au salut.
L'action de pardon, l'action de confession, l'action de repentance, l'action d'éducation, l'action d'écriture de la loi dans le cœur et dans l'esprit des hommes et des femmes de cette planète. Donc tout ça, Jésus est en train, par son ministère, de mettre ça en place avec ses anges, avec son esprit. Il visite la terre, il marche sur cette terre, il prononce, il parle, il fait tout ce qui est possible de faire pour que beaucoup de personnes puissent pouvoir bénéficier de son intervention, de ses interventions, ou ce qu'on appelle encore de son intercession. Et puis, pendant cette période, et dans le plan, il est prévu le mariage de l'agneau, ce qu'on appelle le mariage du Fils du roi ou du Fils de Dieu. Et il est aussi prévu le rassemblement de tous les saints, n'est-ce pas, le retour de Jésus, on est rassemblés, tous les saints partent avec lui. Et puis, en septième point, restauration de la planète Terre. Donc, voilà les grandes lignes du plan rédempteur. D'accord? Donc, nécessairement, 2300 soirs et matins vont être concernés par les événements qui sont ici décrits, par ces périodes qui sont ici décrites, la période de la crucifixion, la période du baptême, la période de la passion du Christ, la période de la prédication de l'Évangile vers les nations du monde entier, le mariage de l'agneau, le rassemblement des saints, tout cela est en lien avec cette grande prophétie des 2300 soir et matin. En fait, quoi? Jésus a simplement nous dit, ok, mes enfants, je vais vous expliquer comment ça va se passer dans le temps. Alors voilà, on aura un premier événement, un deuxième événement, un troisième événement, un quatrième événement pendant cette période, et au bout de tant d'événements, il va y avoir un événement particulier qu'on appelle la purification du sanctuaire, et puis il restera un certain temps indéterminé où je vais mener une action particulière pour rassembler les saints, et enfin, nous allons restaurer la planète Terre et lui faire retrouver son aspect hellénique. Regardez à l'écran, avant de regarder, on va lire Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Pardon. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors, pour vous qui lisez ça, sachez que l'explication n'est pas chronologique hein, en termes de temps. C'est superposé. Chaque fois, il explique une période, revient sur un peu en arrière pour expliquer encore. Il revient en arrière pour expliquer jusqu'au bout. Donc, c'est comme ça que c'est fait. Donc, si vous regardez quelque chose de linéaire ou de successif, non, c'est pas comme ça que c'est le texte est construit pour ne pas se tromper. Cependant, on comprend bien qu'il y a 70 semaines qui sont fixées pour le peuple, c'est-à-dire retranchées pour le peuple d'Israël. Donc, ça veut dire qu'un certain temps concerne les Juifs. D'accord? Et un certain temps va concerner les autres nations du monde. Et puis, à la fin, on aura un certain temps qui va concerner la planète, tout le monde, et pour une action très spécifique, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, dès l'année 457, comme vous pouvez le voir ici, la deuxième ligne bleue, vous avez automne 457. Il y a le décret d'Artaxerxès Longuemain qui est donné pour que les enfants d'Israël rebâtissent, ou le peuple juif rebâtisse Jérusalem et le temple et tout ce qu'ils ont à rebâtir. Il va y avoir en automne 408
la reconstruction de Jérusalem. Vous avez bien vu dans le texte biblique, au verset 25, il est dit « Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, n'est-ce pas, jusqu'à loin, au conducteur, c'est-à-dire jusqu'au baptême de Jésus, n'est-ce pas, il y a un certain nombre de semaines, il va y avoir aussi la reconstruction des places, des fossés, etc., n'est-ce pas ? Donc, non seulement le sanctuaire, mais aussi les murs de Jérusalem et la ville elle-même. Donc, tout cela va se faire dans la période qui est fixée comme étant 70 semaines. Alors, 70 semaines, nous avons vu qu'une semaine, c'est 7 jours. Donc, 70 multiplié par 7, 70 multiplié par 7, ça fait 490 jours. Donc, 490 jours qui ont été fixés pour le peuple juif. Et pendant ces 490 années, on va avoir le décret, la reconstruction de Jérusalem, le baptême de Jésus, la crucifixion de Jésus. Et à la fin, on va avoir aussi un événement qui va marquer, c'est la lapidation d'Étienne. OK ? Puisqu'il va y avoir retranchement loin. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir en gros, pour ne pas vous compliquer l'esprit, c'est qu'il y a trois périodes. Première période, 490 années pour les Juifs. Temps de grâce des Juifs, en tant que peuple, en tant que nation. Puis, en l'an 34, on arrive à la fin de cette période, mais on n'est pas encore arrivé à la fin des 2300 années. Donc, il va rester encore 1810 années pour qu'on arrive à cette année 1844. Donc, on peut dire que pour les Juifs, 490, et pour les autres, qu'on appelle les païens, les gentils, 1810 années. D'accord ? Donc, Dieu dit, j'ai appelé Israël, je vais d'abord m'occuper d'Israël. J'ai été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, le Seigneur, pour le salut, pour la rédemption des hommes et des femmes, s'occupe d'abord de la rédemption de son peuple. Mais qu'est-ce que le peuple fait, pardon, le peuple ne le reconnaît pas, on va même jusqu'à le mettre à mort, le tuer. Donc, il leur dit, désormais, votre maison vous sera laissée déserte. Après sa résurrection, il va y avoir un mouvement vers les autres nations pour pouvoir faire en sorte que les hommes et les femmes de la planète, autres que les Hébreux et les Juifs, donc, connaissent aussi la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais notez que le texte de Daniel chapitre 9, verset 27, dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant, pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Donc, la semaine en question, vous la voyez dans la deuxième ligne rouge, il est marqué demi-semaine, 7 semaines, 62 semaines, demi-semaine, demi-semaine. Donc Jésus a fait 3 ans et demi, après il a été crucifié, il reste encore 3 ans et demi. Et c'est la lapidation d'Étienne qui va être l'événement qui va marquer la fin de cette semaine. Donc 3 ans et demi pour le ministère de Jésus, 3 ans et demi pour la prédication encore aux Juifs, Pierre va prêcher le fameux grand sermon sur l'esplanade du temple et beaucoup de Juifs vont se convertir. Beaucoup de gens présents cette année-là sur l'esplanade vont repartir dans leurs pays divers avec la bonne nouvelle de l'Évangile et vont la semer là où ils vont se retrouver après. Donc, ça va être une superbe action d'évangélisation, non seulement pour le peuple juif, mais aussi un début d'évangélisation pour les nations autres, païennes, ou autres nations, cette évangélisation des autres nations devant s'accentuer. OK? Donc, vous comprenez bien, 2300 soirées matin, on vous en parle, dit, c'est quoi les 2300 soirées matin? Ah ben c'est la prophétie de Daniel chapitre 8, verset 14, c'est une période que Dieu a donnée d'abord aux Juifs pour se repentir, pour reconnaître le salut qui vient de l'agneau, le salut qui vient du Fils de Dieu, le Messie promis. Jésus est venu au milieu de la dernière partie de cette période-là, et il a été crucifié, il est ressuscité, il est remonté au ciel, et maintenant, après la lapidation d'Étienne, l'un des disciples de Jésus commence un temps où tous les disciples vont sortir pour aller vers les nations
donner la possibilité à d'autres personnes de connaître l'évangile. Mais notez, au verset 27, il est dit que le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alors, le dévastateur, c'est qui? Le dévastateur, c'est le diable. C'est lui qui est en train de semer la désolation sur la planète Terre. Il va venir un moment où il va falloir qu'il soit détruit. Mais regardez ce qu'il fait au chapitre 20, au verset 26. Après les 62 semaines, un roi sera retranché, donc la crucifixion de Jésus, et dit le peuple d'un chef, le peuple romain, l'armée romaine, viendra et détruira en l'an 70 la ville et le sanctuaire. Et à sa fin arrivera quand même par une inondation, puisqu'il va retourner là-bas, ce chef empereur, Titus, et là-bas, on va assassiner l'empereur en place et il va prendre la place et il ne va plus, les choses ne vont plus être les mêmes. D'accord? Il est arrêté que les dévastations dureront naturellement jusqu'au terme de la guerre. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que les événements de l'histoire ont jalonné cette période. D'abord, le décret d'un homme connu dans l'histoire, Longuemain, Artaxerxès. Ensuite, la reconstruction du temple. Ensuite, le baptême de Jésus, puis la crucifixion de Jésus, puis la lapidation d'Étienne, puis la destruction de Jérusalem. Et cela va continuer dans le temps jusqu'à ce que, enfin, le maître des lieux saints va mettre fin à l'action du dévastateur. 2300 soirs et matins, et le dévastateur, je m'en occupe. L'abomination de la dévastation, je m'en occupe. Le péché dévastateur, je m'en occupe. Le mal perpétuel, je m'en occupe. Donc, vous ne vous faites pas de soucis. Il y a un temps réservé pour chaque chose. Voici en résumé, 490 ans, les Juifs, 1810 années, le temps des gentils, et en 1844 commence la purification du sanctuaire, ce qu'on appelle encore le temps du jugement, le temps du mariage, le temps de la purification, sanctification, le temps de l'évangélisation finale, voilà, et puis viendra la fin du monde. D'accord? Donc aujourd'hui, en 2021, nous sommes dans le temps de la fin du monde. Nous sommes dans le temps du jugement. Nous sommes dans le temps de la prise du règne du Christ. Nous sommes dans le temps où Jésus est en train d'œuvrer pour mettre fin aux actions sataniques, diaboliques sur cette planète qui ont piétiné beaucoup trop de vies. Maintenant, vous allez me dire, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu empêcher qu'autant de vies soient sacrifiées? Non, c'était prévu dans le plan. Que des vies soient sacrifiées, puisque le diable a reçu l'autorisation de montrer ce qu'il sait faire. Dieu lui a donné du temps, la patience de Dieu a duré. Durant ce temps de la patience divine, il a fait tous les dégâts possibles et inimaginables. Seulement, à la question posée, pourquoi autant de sang versé, on dira simplement, mais pourquoi autant d'amour donné? Dieu lui-même est descendu. Dieu lui-même, en Jésus-Christ, est devenu souffrir avec nous. Dieu lui-même a été battu, flagellé, frappé, craché dessus. La souffrance qu'il a connue, qui la connaîtra? Jamais le diable s'est acharné sur les hommes et les femmes, autant qu'il s'est acharné sur Jésus pour s'assurer qu'il prenne sa place. Mais Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Donc, ne nous posons jamais la question de savoir... Est-ce que Dieu n'aurait pas pu empêcher ça? Disons-nous qu'il a manifesté l'amour suprême à l'humanité au calvaire et que si les choses continuent jusqu'à maintenant, c'est qu'il a une raison qui est valable. Même s'il ne nous l'a pas donné dans les détails, même si nous ne comprenons pas dans les détails, Dieu sait ce qu'il fait. De plus, il a le pouvoir de la résurrection. Donc, des gens qu'on croit perdus parce qu'ils sont morts, tués par la guerre, etc., on se dit... Beaucoup de gens perdus. Non, pas nécessairement. Dieu sait qui il va sauver, qui il ne va pas pouvoir sauver. Mais il s'occupe, il est venu pour sauver le plus grand nombre. Il est venu pour sauver la terre entière. D'accord? Donc, il soit le rassemblement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre verra des choses très étranges et des personnes que nous pensions jamais qui pourraient être sauvées, que nous verrons là.
Qui aurait pensé que le larron sur la croix, brigand qu'il a été toute sa vie, Dieu lui promettrait de lui donner la vie éternelle? Alors, je suppose qu'il n'est pas le premier ni le dernier à l'avoir. Bon? Donc l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la patience divine, la science divine, sait faire les choses. Il sait faire les choses parfaitement. Qui accompagne le diable donc dans ses méfaits? Alors, ce que vous devez savoir, chers amis, c'est que le diable n'agit pas tout seul. Il a des complices. Et lorsque nous avons étudié Romains chapitre 7, nous avons vu qui étaient les complices du diable. Nous avons vu ces grands empires sous la direction de Satan, eh bien, ont œuvré pour son royaume. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire romain, et ensuite l'empire, ou plutôt le règne papal de la petite corne. Maintenant, dans Daniel chapitre 7, versets 21 à 27, nous avons là une révélation particulière. Dans le temps de ces royaumes-là, Babylone, Médé-Perse, Grec, Rome, c'est-à-dire dans le temps où va durer l'esprit de ces royaumes, la façon d'être de ces royaumes, les méthodes de ces royaumes, dans le grand conflit entre le bien et le mal, le Dieu des cieux va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit. Daniel 7, verset 21, nous apprend quelque chose. Lisons Daniel 7, verset 21, concernant la fin de 2300 soirs et matins et les événements qui vont désormais suivre après l'accomplissement de cette période. Lisons Daniel 7, verset 21 et suivant. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Merci. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre que le Très-Haut, le maître des lieux saints, a décidé qu'il laisserait les coudées franches, les mains libres à son ennemi de faire ce qu'il veut. Et même livré entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps, 1260 jours ou 3 temps et demi, il va livrer entre les mains, nous aurons l'occasion de déchiffrer cette prophétie lorsque nous en viendrons au livre à l'Apocalypse, l'étude du chapitre 12, en particulier de l'Apocalypse. Alors, il va livrer entre ses mains. Donc, voyez que Dieu avait déjà prévu que le sang soit versé, que les saints soient tués, que le peuple soit persécuté, qu'il y ait des bûchers qui s'allument, des gens qui soient égorgés. Il donne au diable le temps de démontrer son vrai caractère. Son vrai caractère. Mais l'espoir que le maître des lieux saints nous donne ici, c'est qu'il nous dit le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Donc, ce que l'on croit écrasé, piétiné, subissant le péché dévastateur et le perpétuel, eh bien, ce sont ceux-là qui, finalement, attachés à Dieu, appartenant au sanctuaire de Dieu, eh bien, qui vont recevoir le pouvoir. Les royaumes de la terre, les dominations terrestres, tous leur sera entièrement soumis. Son règne, dit-il, est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.
Donc, le royaume des Romains, le royaume papa, la petite corne, le royaume Médé-Perse, etc., etc. Tous les royaumes qui sont maintenant sous d'autres formes que les formes antiques, anciennes que nous connaissons maintenant, ils sont sous des formes modernes, mais ce sont les mêmes individus, les mêmes personnes, les mêmes mentalités, les mêmes actions qui sont faites maintenant de façon avec des instruments modernes, mais les hommes sont aussi sauvages, aussi brutaux, aussi cruels, aussi sophistiqués, aussi corrompus qu'avant. Il n'y a pas de différence dans l'aspect spirituel, moral, éthique, relationnel. Ça n'a pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord ? Diapo suivante. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? L'esprit de Rome et des autres royaumes, c'est la domination, l'oppression, la violence, la débauche, le mensonge, l'immoralité, la domination des consciences, l'imposition par des lois, le contrôle des libertés. Voilà l'esprit des royaumes de Babylone, de Médo-Perse, de Grecs, de Romains. Et le texte nous dit que les choses ne vont pas changer. Cet esprit va durer jusqu'à la fin des temps. C'est le regroupement des bêtes, l'Apocalypse 13. Si vous lisez, quand vous voyez dans Apocalypse 13, une seule bête avait une gueule de ceci, une tête de cela, des pattes d'ours, lion. Voilà. Il y a un mélange de tous les animaux représentant les royaumes du passé qui se retrouvent avec l'animal qui représente les royaumes de la terre à la fin des temps. Donc, il va exister d'abord un royaume romain purement politique, puis un royaume romain politico-religieux. Puis cet esprit va se répandre dans le monde entier jusqu'à ce que s'installe le royaume des cieux. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que le royaume politico-religieux qui va exister sera vaincu en deux temps. D'abord, il lui sera infligé une blessure mortelle, selon Apocalypse 13, versets 1 à 3. Et ensuite, il va y avoir les mains divines qui vont lui flanquer une fessée et le faire, ce royaume, disparaître sans le secours d'aucune main humaine. La troisième chose à comprendre, c'est que tous les royaumes et leurs esprits seront traduits en jugement. Condamnation à mort par le feu éternel pour le royaume politico-religieux. Pas de possibilité de salut. Mais pour les autres nations, dit le texte, un temps leur est encore donné pour qu'ils reçoivent la possibilité d'entendre la bonne nouvelle et arrêter de boire le vin de Babylone. C'est le temps du jugement, c'est le temps de la prophétisation et c'est le temps de l'évangélisation. Et puis, une quatrième chose que nous devons retenir dans tous ces textes que nous allons lire tout à l'heure, je vous donne les explications pour que vous compreniez pourquoi nous lisons tous les textes après et pour que vous puissiez voir comment ce qui a été dit ressort dans ces textes. Donc, quatrième chose à comprendre, c'est que le royaume des cieux de Daniel 2 s'installe par une phase du jugement. Jésus est élevé en tant que roi et le royaume est remis au sein du Très-Haut. Alors, j'aime bien l'association, je vais vous montrer la citation tout à l'heure, que fait Ellen White lorsqu'elle parle de cette victoire des saints à la fin des temps. Mais on va maintenant regarder les textes bibliques et voir comment ils sont révélateurs du déroulement des temps et des événements pour que nous ne soyons pas du tout surpris, étonnés. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est là, juste un moment, reviens en arrière s'il te plaît sur le texte, c'est là que nous comprenons la durabilité de l'esprit de ces royaumes, puisque les royaumes eux-mêmes, physiquement, ne vont plus exister depuis très longtemps, des siècles. Mais le texte dit bien que dans le temps de ces royaumes-là, Dieu va susciter un royaume qui va durer éternellement. Ça veut dire que l'esprit et le fonctionnement de ces royaumes va continuer dans le temps jusqu'au moment où Dieu va installer le royaume qui ne sera jamais détruit. Continue, merci, la lecture. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1 000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts.
Donc, les bêtes en question, Daniel, qu'on trouve dans Daniel 7, eh bien, vont être jugées. C'est le jugement qui est ouvert pour juger toutes les bêtes, c'est-à-dire tous les royaumes. Et on voit bien que devant le grand juge, il y a des milliers, des milliers, des millions d'êtres qui se trouvent et qui assistent à ce jugement qui commence à la fin des 2300 soirs et matins. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Stop! Quel animal qui fut tué? Je regardais à cause des paroles arrogantes et que prononçait la corne, et tandis que je regardais l'animal, parce que l'animal, c'est un animal qui a des cornes, 10 cornes. 3 sont tombées pour que pousse la petite corne. Vous vous rappelez de l'étude de Daniel chapitre 7. La petite corne a fait tomber 3 cornes et a poussé. Mais la corne qui pousse est la corne d'un animal, l'animal terrible, le 4e animal de Daniel chapitre 7 qui représente l'Empire romain. Donc, l'Empire romain va être détruit, livré au feu. Mais livré au feu, détruit avec quoi? Mais avec la corne. Puisque la corne fait partie de cet empire. Et comme cet empire, malgré le fait qu'il va prendre fin en 476 après Jésus-Christ, politiquement et physiquement, mais l'esprit de cet empire va se poursuivre avec la petite corne, et l'esprit de la petite corne et de l'empire vont durer, ou va durer, c'est le même esprit, hein, ça va durer jusqu'à la fin, au moment où le jugement décide que c'est le temps de livrer au feu l'animal pour être brûlé. Mais le feu, il va être allumé après le retour de Jésus, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que cet esprit-là va durer jusqu'à la fin des temps. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Donc, si la corne ne reçoit aucune chance et est jetée au feu pour tuer, pour être brûlé, les autres nations, elles, reçoivent une chance, c'est-à-dire qu'on les dépouille de leur puissance. L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc Dieu, par l'Évangile, va dépouiller les nations de leur puissance parce que la vérité leur sera révélée, parce que Babylone, la puissance qu'ils maintiennent dans les ténèbres, va tomber. Dieu va révéler à ces nations plein de vérité, et beaucoup d'hommes et de femmes vont se tourner vers la lumière, vers la vérité. Donc, Dieu permet que le temps se prolonge encore pour le salut du plus grand nombre. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arrivera quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. Alors, retenez bien. L'arrivée de quelqu'un semblable à un fils de l'homme n'est pas le second retour de Jésus. C'est son arrivée vers l'Ancien des Jours. Et cette arrivée vers l'Ancien des Jours se fait au moment où il doit recevoir la domination, la gloire et le règne. C'est le Père qui va lui transmettre tout cela pour qu'il règne pendant le temps qui est prévu. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Voilà. Bon, maintenant Jésus a le règne, lorsqu'il va vers l'Ancien des Jours, c'est-à-dire le Père. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élevera un roi impudent et artificieux. Sa puissance accroîtra, mais non pas par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il y aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élevera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, qu'elle se rapporte à des temps éloignés. Donc, nous avons là, dans tous les textes que nous venons de lire,
un aperçu de l'action satanique à travers les temps et à travers les nations. Mais le maître des lieux saints va faire en sorte que graduellement le pouvoir satanique puisse être écrasé. Et finalement, le diable lui-même sera réduit à néant. D'accord? Mais si Dieu prend le temps, c'est parce qu'il sait que le temps est son allié et que c'est avec le temps qu'il pourra sortir graduellement, petit à petit, année après année, siècle après siècle, il pourra enlever des hommes des griffes de Satan. Et il prend le temps de le faire par la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais il laisse aussi ce même temps au diable pour pouvoir démontrer sa cruauté, son caractère meurtrier et mensonger. D'accord? Donc, tout a été planifié pour que l'honneur de Dieu soit lavé, parce qu'il n'est pas l'auteur du mal tel que le diable préconise, il n'est pas le tyran tel que le diable préconise, il n'est pas celui qui est incapable de gérer l'univers comme il le préconise et que lui, le diable, se prétendrait avoir une meilleure façon de gérer l'univers, et que finalement, il est un incapable, il ne peut pas gérer l'univers de Dieu, il est une créature, seul Dieu le Créateur peut gérer l'univers. Seul Dieu le Créateur peut procurer à son univers des lois qu'il demande à chacun de respecter pour que l'univers soit géré dans l'amour et dans la paix. Lucifer n'a pas su faire ça. Il a échoué lamentablement. Donc, tout l'univers est maintenant convaincu que sa grande campagne de vouloir être le remplaçant de Dieu n'a mené à rien d'autre qu'à au sang versé, à la guerre, au conflit, à la mort, au malheur, à la désolation, à l'abomination, au perpétuel du mal. Et Dieu a choisi de mettre fin à cela, mais il dit, patience, il faut un temps. 2300 soirées matin, et les choses vont se faire comme elles se doivent. Voici cette citation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Regardez-la bien, retenez bien ce qui est dit ici. C'est dans la tragédie des siècles, c'est cette dame, Ellen White, inspirée après étude de la Bible, elle dit ceci. En revanche, la venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur, elle parle de l'année 1844 et de l'accomplissement des 2300 soirs et matins, okay? Ou la fin des 2300 soirs et matins. Cette année-là, 1844, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va passer du lieu saint au lieu très saint dans le sanctuaire céleste, c'est-à-dire qu'il va entamer, après la phase d'intercession, va venir maintenant la phase de purification. Voilà pourquoi on parle de lieu saint, intercession, lieu très saint, purification. Dixième jour du septième mois. D'accord? Donc, en revanche, la venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur, c'est seul le souverain sacrificateur pouvait faire la purification. Les sacrificateurs n'avaient pas le droit. Seul le souverain sacrificateur, donc Jésus le Seigneur, à un moment donné, après les 2300 soirs et matins, il se revêt de ses costumes ou de son costume de souverain sacrificateur et il va entrer dans le lieu très saint, deuxième phase de son ministère pour la purification du sanctuaire. Et cette phase-là est mentionnée dans Daniel 8, verset 14. La venue du Fils de l'homme, on l'a lu tout à l'heure dans Daniel chapitre 7, auprès de l'Ancien des Jours. La venue du Seigneur dans son temple, dans Paul Malachite, chapitre 3, verset 1 à 5, sont autant de descriptions du même événement. Donc, fin 2300, des 2300 jours, années, soirées, matins, on a purification du sanctuaire, on a avancée de Jésus vers l'Ancien des Jours, on a venue du Seigneur dans son temple pour la purification des fils de Lévi et la présentation de l'offrande de Juda et de Jérusalem, elle dit que ces trois événements sont un seul et même événement. Ça veut dire qu'à partir de 1844, purification du sanctuaire, Jésus qui va vers l'Ancien des Jours pour recevoir le règne, et Jésus qui est dans le lieu saint du sanctuaire pour purifier les fils de Lévi et présenter à son père l'offrande de Juda et de Jérusalem, eh bien toutes ces choses-là se font en même temps. Mais il y a une autre chose qui se fait aussi, parallèlement, en même temps, qui a le même sens. Elle dit, à la fin du texte, à quoi il faut ajouter l'arrivée de l'époux mentionné dans la parabole des 10 vierges, de Matthieu 25, versets 1 à 12. Donc, le mariage. Donc, mariage, purification des fils de Lévi, présentation de l'offrande de Juda et de Jérusalem, venu vers l'Ancien des Jours pour recevoir le règne,
purification du sanctuaire, eh bien, tout ça se déroule depuis l'année 1844 jusqu'à maintenant. Et nous faisons partie de ces événements-là. Mais parfois, nous sommes tellement préoccupés par les choses de cette terre que nous oublions que tout ça est en train de se dérouler maintenant et que cela nous concerne hautement. Donc, si notre esprit n'est pas connecté avec le ciel pour nous occuper des actualités du ciel et que notre actualité, simplement COVID et mort et tout ce qui est manger, boire, travailler, dormir, examen, réussir sa vie, à voyager, ce sont des préoccupations terrestres. Mais qu'en est-il des préoccupations célestes? Tout cela se déroule simultanément à la fin des 2300 jours. Donc, nous sommes en plein dedans. Et nous devons savoir en quoi nous sommes concernés par ça. Nous devons le savoir, le déterminer clairement dans nos têtes, parce que ça va déterminer le positionnement que nous allons avoir dans notre vie spirituelle aujourd'hui et notre préparation pour le retour en gloire de Jésus. Donc, nous ne pouvons pas être indifférents à ces déclarations prophétiques. Nous devons, c'est un plaisir de les comprendre, de les partager et d'être surtout sûr que nos vies s'accordent avec l'Esprit du Seigneur pour ne pas rater le coche. Donc, souvenez-vous, les 2300 soirs et matins sont donc la réponse de Jésus, le maître des lieux saints, du sanctuaire céleste, à la question de l'intervention divine dans un monde où le sacrifice perpétuel et le péché dévastateur règnent et ont fait des dégâts considérables. Donc, dans le ciel, depuis 1844, Jésus opère pour assurer pardon, pureté, sainteté à tous ceux qui le désirent vraiment et qui vont hériter le royaume des cieux bientôt, très bientôt. Qui va se tenir face au diable en colère? Eh bien, la Bible nous fait savoir, l'Apocalypse 14, 17, Apocalypse 17, 14, c'est l'agneau et les saints. L'Apocalypse 12, verset 17, la Bible nous fait savoir que c'est le reste, la postérité de la femme. Dans Apocalypse 14, verset 1, il nous fait savoir que ce sont les 144 000. D'accord? Donc, à la fin des temps, Dieu a un peuple qui s'appelle les saints, le reste, les 144 000, c'est même Mounla, c'est même Pitin, même Bagaille. Donc, quand il dit que le royaume sera remis au sein du Très-Haut, il parle de ce même reste, de ces mêmes 144 000. C'est à eux que le royaume sera remis, et pas aux autres, car le royaume est remis à ceux qui règnent. Les invités au repas des noces ne règnent pas. On règne sur eux. Ils sont les dirigés. Tandis que ceux-là sont les dirigeants, ceux qui prennent le règne avec Christ. Ils sont au même niveau que Christ. Co-héritier, héritier, Christ, co-héritier. D'accord, dit Paul. Maintenant, Jésus est en train de préparer, en fait, ceux qui vont prendre le règne avec lui. C'est ce qu'il prépare maintenant. Donc, vous et moi qui sommes dans l'Église, nous devons savoir qu'est-ce que nous faisons. Sommes-nous prêts à prendre le règne avec Christ? Car il est entré dans son règne. Est-ce que nous nous préparons à régner avec lui? Car il veut nous faire asseoir sur le trône. C'est la question qu'on doit se poser maintenant. Quelle préparation je fais maintenant pour prendre le règne avec Christ? Donc, toutes ces études prophétiques que nous faisons n'ont qu'un seul but, nous conscientiser sur le fait que nous vivons un temps particulier. Le temps du règne du Christ, le temps de l'agneau et des saints, le temps du reste que le diable va persécuter, certes, mais qui vont le vaincre. Le temps des 144 000 que le diable va poursuivre, certes, mais qui vont le vaincre. C'est ce temps-là que nous vivons maintenant. Si on lisait les textes, je ne voulais pas trop prendre du temps parce que nous allons probablement pas les lire. Je vous demandais de les noter simplement puisque le temps est arrivé et de comprendre simplement que le temps prophétique, le temps de la prophétie prédictive, ce temps que nous vivons actuellement est très particulier. Particulier parce que le diable est en grande colère, particulier parce que Jésus est entré dans son règne, particulier parce que Jésus reçoit le royaume des mains du Père maintenant, particulier parce que le mariage prévu depuis des siècles va avoir lieu dans quelques temps, très peu de temps, particulier parce que les 144 000 doivent être non numérotés, non chiffrés, et le nombre doit être complet dans cette période-là, n'est-ce pas? C'est tout ce qui se passe, et encore plus, dont on n'a pas encore parlé. Donc, nous devons nous préoccuper. Heureux celui qui lit, dit Apocalypse 1er, verset 3, pour être au courant de ce qui se passe maintenant. Donc, en conclusion, la prophétie de 2300 soirs et matins nous révèle 5 choses. Numéro 1, Dieu maîtrise le temps, il maîtrise les événements. Numéro 2, Dieu a fixé un temps pour juger, punir et récompenser.
Numéro 3, la souffrance et la guerre font partie de notre histoire jusqu'à ce que les temps fixés soient accomplis. Alors, plus jamais les enfants de Dieu et son sanctuaire ne seront piétinés et foulés. Car les 2300 soirs et matins ont pris fin, Jésus sera entré dans son règne et il mettra en place tout ce qu'il faut pour que le diable soit vaincu. Quatrièmement, les enfants de Dieu qui arriveront au terme de cette période, c'est-à-dire des 2300 soirs et matins, verront et sauront qu'en Christ, Dieu pardonne, Dieu purifie, Dieu sanctifie, Dieu glorifie. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, alors sera sauvé. Cinquièmement, après cette longue période, l'alliance sera alors conclue pour qu'enfin l'épouse rejoigne l'époux pour toujours. Jérusalem, ville où le nom de Dieu est invoqué, où règne la paix, sera à jamais restaurée. Elle s'appellera la Nouvelle Jérusalem. Et Jésus nous propose de faire partie de la Nouvelle Jérusalem. Je m'arrête là. On aurait pu dire encore beaucoup de choses, mais le temps est compté et je voudrais que vous puissiez éventuellement poser vos questions.